ce n'est qu'un chèque sur CFR sur 3 pour une nouvelle vidéo. Oui, je vais vous expliquer comment marche la Black Opa. Puisque depuis un moment, vous avez sûrement reçu un mail de YouTube, anglais ou français. Mais je vous traduirai en description. Et les trucs, là, ils sont YouTube. Ils ont acheté cette loi là parce qu'en fait en Amérique il y a une entreprise qui s'appelle FTC de New York et cette société là c'est pour protéger les enfants et voilà, enfin peut-être pas trop mais sinon c'est que en fait pour créer une chaîne YouTube faut avoir 13 ans et dans ceux qui sont moins de 13 ans, il y a plein de chaînes YouTube qui sont moins de 13 ans les gens et donc le compas veut expliquer que si votre contenu est fait pour les enfants. Oui, pour les enfants, sauf si vous faites des trucs sur votre chaîne pour les enfants, de moins de 13 ans. Mais sur le coup, les cinémas sont totalement de la merde. Car en fait, ils ont déjà YouTube Kids. Je vois pas pourquoi on mettrait cette loi dans YouTube normal, en fait. Dans YouTube normal, tu vois, que tout le monde utilise. YouTube Kids, il peut bien aller sur ici. Ils sont ici pour voir, vous voyez. Donc, c'est chiant maintenant. Donc, je vous conseille, puisque ils ont dit, je vais vous faire voir la vidéo, enfin, vous montrer la vidéo, oui. Ouais, d'ailleurs, sur Google, parce que. Ouais. Bah, sur YouTube, ouais. Je vais taper la loi. YouTube, voilà. YouTube Creator Studio. Je vais taper YouTube Creator Studio, là. YouTube Creator. Creator Studio, voilà. C'est leur chaîne officielle. Ils ont sorti une vidéo. De la COPPA et cette loi c'est pour voilà c'est ce qu'ils ont dit sur leur chaîne que dans leur vidéo si je vous expliquer un bref délai c'est que t'expliques qu'ils vont instaurer ça pour toutes les chaînes. Oui c'est chiant, oui ça casse les couilles. Donc si vous allez vous dire mais comment on sait si c'est pour les enfants ce qu'on fait au contenu. Bah c'est contenu pour enfants, je vous dis, pour moi c'est qu'on fait des comptes des musiques pour enfants, des animations pour enfants, etc. Vous voyez. Mais et là, sur YouTube, tout le monde fait, n'a pratiquement jamais fait des trucs pour enfants. Les trucs pour enfants sont sur YouTube Kids. Oui, YouTube Kids. Donc voilà. Et je vois pas pourquoi expliquer dans les commentaires. Et pour les autres, ou bien je vous expliquerai aussi, parce que je vous explique un peu le contexte de la vidéo, c'est que en fait, je vois pas pourquoi. YouTube font ça parce qu'ils sont totalement cons parce que voilà que c'est YouTube Kids mais personnellement moi je vous explique quand même à quoi ça sert cette loi qui va être ajoutée dans quelques mois. Bah c'est que en fait ils ont pris une amende par l'entreprise FTC à New York. Ouais c'est pour le truc pour les enfants et ça ils ont pris une amende ouais et ils ont dit que prendre des données personnelles pour les enfants. Parce que vous savez qu'il y a des pubs parfois pour dire si c'est pour enfants que c'est des pubs de jouets etc qui arrivent sur vos vidéos. Bah c'est grâce à ça que YouTube font ça. Et ils vont dire que si votre contenu est pour enfants, ceux qui font ça sur leur chaîne, pour moins de 13 ans, bah cette loi sera instaurée sur leur chaîne. Et ils devront activer la truc pour la loi enfant, la loi COPPA. Donc voilà. Et il n'y aura pas de pub, il n'y aura plus de likes, il n'y aura plus de commentaires, enfin les likes et les commentaires seront désactivés. Et quand vous verrez ça, bah ceux qui font aussi comme ça, je vous conseille de l'enlever. De pas mettre la loi, autoriser la loi COPPA. À part pour ceux qui font du truc pour des choses pour enfants sur leur chaîne, bah eux leur anglais communauté, ils l'auront plus. Puisque ça va être l'onglet communauté, on l'a 1000 abonnés. Et il n'y aura plus de commentaires, plus de likes, ils sont désactivés. Donc je vous apprends. Et comment faire pour enlever pour désactiver cette loi. Pour dire que notre chaîne c'est une chaîne normale et c'est pas pour les enfants. C'est très facile. Vous êtes sur votre chaîne là. Vous êtes sur version bêta YouTube Studio. Vous êtes sur mon paramètre. La chaîne là. Là vous allez sur chaîne, vous allez sur paramètres avancés. Là vous allez voir ça. Ça sera par défaut sera ici. Si je veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo. C'est-à-dire que pour chaque vidéo, vous devrez préciser si c'est pour enfants ou pour ou c'est pas ni conseillé pour les enfants.
Voilà. Et aussi, il y a aussi cette proposition, oui, définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Je ne mets en ligne que des contenus conçus pour les enfants. Si ça aussi, vous avez activé ça, si vous activez, vous n'aurez plus d'onglet communauté. Vous aurez plus de l'onglet, vous aurez pas l'onglet story. Vous aurez plus les likes et commentaires sont désactivés. Et voilà, et je trouve que c'est un peu de la merde. Donc, je vous conseille de mettre non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Je ne mets jamais en ligne de contenu conçu pour les enfants. Moi, je conseille de mettre ça. Comme ça, vous prenez pas de risque. Et quand vous faites ça, quand vous faites je veux vérifier ce prêt pour chaque vidéo, c'est-à-dire que, imaginons, vous faites un truc pour enfant, vous dites que c'est pour enfant pour vous, que c'est pour enfant, la vidéo est faite pour enfant, YouTube vont vérifier votre vidéo. Et si c'est pas très pour les enfants, ils vont vous sanctionner. Une amende ou la vidéo supprimée ou un strike. Donc je vous dis de pas cocher cette case là. Donc je vous conseille de prendre celle-là, non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Comme ça vous prenez aucun risque. À part vous me direz s'il y a des risques. Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait des risques si vous faites non, cette chaîne n'est pas définie pour enfants. Donc voilà, ça m'étonnerait qu'on va prendre des risques, mais dites-le moi si je me trompe, voilà. Voilà, donc je vous dis juste ça. Et copain, je vais vous dire aussi. Après, vous êtes sûr qu'on va être là et vous êtes enregistré. La communauté, c'est tous mes abonnés, tous mes modérateurs, etc. Bref, je m'en fous de ça. Après, qu'est-ce que j'ai expliqué? Après, c'est mon avis, hein. Parce que vous voulez, c'est bien activer cette chaîne du coup, je prends enfant. C'est votre avis, c'est ce que vous faites, votre chaîne. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne sais pas, moi, je m'en fiche. En fiche que si vous faites ça, parce que c'est votre chaîne, vous faites ce que vous voulez, je vais pas dire ni etc. Désactive ça, éliminer, je vais pas vous obliger. Ouais, je suis pas un mec qui oblige comme ça, je suis pas un forceur. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Donc, je disais que sur le site là, pas le copa sur YouTube d'abord. Donc, on va mettre. Ça parce que j'avais un truc que j'ai mal compris un truc que tu veux faire toi. Car c'est à vous de prendre en compte des facteurs, voilà. Ouais, j'ai mis un dislike parce que ça me plaît, je suis pas d'accord, donc voilà. Sur la vidéo, je mettrai en description pour mieux comprendre la vidéo. Les deux rôles, les créateurs à respecter, la loi qui donne online, etc. Si appelé les copains, voilà. Je mettrai la vidéo en description pour que vous compreniez beaucoup mieux ce qu'elle veut dire, mais c'est que j'ai vu aussi qu'il y a tous ceux qui font du gacha life, les gacha tubeurs et gacha tubeuses qui font des animations et des animés gacha. Bah, je vous conseille de pas mettre votre chaîne conçue pour enfants. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais si vous activez la loi copa, bah RIP, vous aurez plus l'onglet communauté, vous aurez pas l'onglet story. Vous voyez, plus de likes, plus de commentaires, c'est un peu dommage pour vous, mais vous faites ce que vous voulez. Juste un conseil à vous dire. Et bien sûr, le gacha life ne va pas mourir. Hein. Faut juste mettre cette chaîne n'est pas conçue pour les enfants. Après, si vous pouvez préciser, dire à chaque vidéo ce qui est pour enfants ou si c'est destiné aux enfants ou pas destiné aux enfants, que si vous faites du gacha life, une série psychopathe là, bah je crois pas qu'il sera pour enfant. Donc je vous conseille de mettre n'est pas conçu pour enfant pour la vidéo. Après d'autres vidéos, etc., des histoires où il n'y a pas de sang, pas d'insultes, etc., je sais pas. Après à voir et à voir sur YouTube et à demander à d'autres personnes parce que moi je sais pas trop sur le gacha life. Parce que gacha life c'est un peu moitié enfant et moitié. Un peu pour les ados, voilà, pour plus de 13 ans. Après, vous allez me dire, mais c'est quoi
qui est fait pour enfants alors, bah ce qui est pour faire, qui est pour enfants, bah c'est les comptines, les poèmes, bah, ça, les poèmes, pas grossiers, voilà, et les histoires qui sont pas violentes, etc. Et les musiques pas violentes, les musiques pour enfants, voilà. Ça c'est pas, c'est pour les enfants, c'est pour enfants je crois. Mais j'irai voir ce soir. En tout cas, j'ai la flemme d'aller voir. Bon, après, c'est pas grave. Donc, voilà. J'espère que j'ai tout dit. Mais si j'ai pas tout dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager. Et bien sûr, d'activer la cloche. Hein. Ça me ferait plaisir. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. Et à bientôt. Si j'ai mal expliqué, dites-moi dans les commentaires. Je vous expliquerai en description, mieux en description, si j'oublie des trucs, de dire des choses, d'expliquer des choses, vous n'avez pas compris, je vous répondrai en description. Là, je suis toujours ça pour aider. Bref, sur ce, je vais vous dire à bientôt, et bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, j'ai pas oublié le GLV California Dreaming, parce que là, en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire, et j'ai une zéflemme en ce moment, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, il sortira. Sortir le GLB bientôt. Et aussi je vous ai dit à 500 abonnés, si vous passez les 500 abonnés, je fais un cover fadette, je fais vraiment un cover fadette de Alan Walker, je fais vraiment, je le fais vraiment. Donc si vous voulez voir comment je chante, voilà, bah n'hésitez pas à liker et vous abonner hein, pour m'encourager et pour que je fasse le cover. Sur ce, ciao, bye bye, à bientôt.